C'est pas passé loin, parce que, bon, petit truc, mais en 2010, normalement, en 2010, voilà, j'aurais pu revenir en sélection. J'avais reçu un coup de téléphone du président de la fédération à ce moment-là. Il s'avère que voilà, je ne pouvais plus jouer. Je me suis fait opérer une dernière fois à mon genou, et puis j'ai mis fin à ma carrière. Voilà. Après un match, je me rappelle, contre le Valenciennes-Paris Saint-Germain, tout de suite après le match, j'avais reçu ce coup de téléphone et j'avais nourri cette ambition de jouer cette magnifique compétition qui a fait que, plus qu'entraîneur, joueur de